Alors, je voulais remercier d'abord tous les bénévoles de façon nominative, ceux qui ont vraiment agi sur le terrain pour l'organisation de cet événement et de cette commémoration. Alors, je cite, nous avons Stéphanie, Céline Petite, Sharon Semama, Kevin Adjej, Adrien Passera, Gilles Marek, Francis Mallet, Jonathan Malka, Patrick Adjej, encore un autre, Michael Tibi, William Texon qui n'est pas ici mais je pense qu'il doit être présent avec nous, Ilana Mazouz, Laura Slagman et Nanou Béel. Ainsi que Dani qui est ici avec nous pour assurer la sécurité. Nous avons aussi, alors nous avons distribué des t-shirts, nous n'en avions pas assez pour tout le monde, mais il faut que vous sachiez que c'est sur l'idée et l'élan de générosité de monsieur et madame Smatcha, qui ont une usine à Aubervilliers de fabrication et qui nous ont généreusement offert ces t-shirts. Donc je pense qu'ils méritent une ovation parce que ils ont contribué de façon très conséquente à cet événement. Nous remercions également Simon Médal qui a été le coordinateur et nous remercions enfin toutes les associations présentes qui ont pris la parole. Donc je cite, il y a le CRIF, le BLDCA, le Bel Ébrit, le Consistoire, l'UPJF, l'Union des patrons juifs, le BD Mérite de France, mais je crois que je l'ai dit ça. Voilà. J'espère que je n'oublie personne. On en a oublié beaucoup. Nous avions également à cette tribune Serge Agenberg de Radio J, donc nous le saluons. Nous avions François Vauclin. Nous avions Monsieur Pinto de Siona. Et le SPCJ également. Et moi, je voudrais quand même saluer aussi les forces de l'ordre ici qui étaient là pour notre sécurité. Je vous dis à grand merci. Sans tous, sans doute.